Attends, il re... You have to just listen to the whole thing? Bon, du coup, la vidéo, elle se passe pas bien. Oula. Oula. Tu vas regretter de ne pas avoir fait la autoplay avant, vraiment ou pas? Vraiment ou pas? Pas d'intro lâché dans la nature. Je crois que c'est le cinquième jeu, ça. Le 7 septembre. Attendez, parce que là... Il est où le... Allô? Oh! Cooper! Cooper! Monsieur Cooper! Ah! Monsieur Cooper, Alan Cooper a disparu. Oh putain, je sens qu'on va retrouver Alan ici. Un centre commercial a ouvert, du coup le business baisse. Il y a quand même un nouvel employé qui est arrivé. Ok. Ah, ah non, j'ai cru que c'était là. Hein. Par contre, les traces de sang ouais, sur la carte, c'est pas Bombay. On va tenter d'aller là-bas. Maintenant qu'on a la carte. Voilà. Hey, how's it going? The bank called me to let me know someone had finally bought the pharmacy. So they gave me this number and told me you were the new owner. If I'm correct, I hope you like the premises. I heard you want to turn it into some sort of bar or something like that. Yeah, it's pretty quiet out there. We only ever got visits from some of the locals, and occasionally the odd truck driver. I never really liked those types, if I'm honest with you. Those truckers kind of creep me out, but I'm sure those guys will bring you some great business on their way into town. The pharmacy was my father's. Well, unfortunately... Il fait quoi si je m'éloigne? Ça me fait peur. Ça me fait peur de ouf. C'est ça en fait, l'idée du zoom, il n'y a rien qui va. Enfin, il n'y a rien qui va. Si, tout est bien dans le jeu, tout est bien. Mais la mécanique est beaucoup trop stressante. Moi, je pense qu'Alan Cooper, si vous voulez mon avis, il est en train de baigner quelque part. On ne sait pas encore où. Il y a des tiroirs, là. Je peux pas voir les tiroirs. Pas, je parle pas un mot de l'anglais, moi. J'ai trop peur, je sais pas par où passer. Toilette. En fait, il est dans les toilettes.
En fait, je pense. Je pense qu'on va crever, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pense qu'il y a une clé que j'ai pas trouvée ou un truc. Ça me gratte l'oreille, attendez. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Allumer les lumières, c'est déjà pas mal. Et je peux savoir pourquoi tout est par terre? Pourquoi est-ce que tout est à moitié jeté par terre? Ça m'a fait peur, ça. Ça m'a fait flipper. Tu veux que je fasse quoi en fait là? Sur le tableau blanc, il y a un truc. Oh, t'as raison. Carte d'identité, Cooper Alan encore. Ah. Non mais. Ah si, peut-être que c'est ce que j'ai trouvé que j'ai mis dessus, ouais. Je peux pas interagir. Ça va mettre les documents que tu trouves. Bon, alors on va partir du principe que j'ai pas tout trouvé. Je vais tomber à un moment sur un jumpscare, un truc horrible. Ça va me gueuler dessus, je vais paniquer. Ah là! Jérémy. Donc Jérémy, c'est qui? Ah, c'est le nouveau collègue. C'est un bon gamin. Je savais, il y a quelque chose qui cloche à propos de lui. Je pense que il y a un truc qui va pas avec lui. Là. Bon, en gros, il est en mode, il en revient pas qu'il va fermer. Ça fait 70 ans que sa famille est ici, quoi. Ça lui brise le cœur. Voilà. Le 27 septembre, j'ai reçu un call. Oh là, quelqu'un qui était furieux. Ah, quelqu'un qui a dit qu'il avait reçu la mauvaise prescription. Oh, Lisa Never. C'était jamais arrivé pendant les 25 ans où j'ai bossé ici. Oh, j'ai chopé Jérémy et je lui ai dit qu'on devait avoir une discussion importante. Je lui ai expliqué les.
Ah, mixing up order could lead to severe consequences. Qu'en gros, bah, du coup, vu qu'il s'était gouré dans les dosages, et bah, ça a eu de sévères conséquences. Et ça veut dire quoi à la fin? Ça serait dommage si ça arrivait, monsieur Cooper. Mais what? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Mais en fait, c'est lui qui l'a buté. On va regarder sur internet. C'est trop chiant. Parce qu'on passe trop de temps. Farmistery. On va aller voir parce que c'est trop long en fait. Attendez. Ah bah vidéo, c'est bon. J'ai des vidéos. Ah, octobre. Je l'ai pas trouvé celui-là. Il était où? Messed up, dude. What do I do now? There has to be like another note, or there has to be another note. Ah ouais, celui-là je l'ai pas vu. October 10th. Eh ben, ah non, il y avait encore plein. Ça disait quoi celui-ci? Notice but five times Jeremy has no mix. Attendez, je regarde avec le traducteur, ça ira plus vite. Je regarde avec le traducteur comme ça au moins. Les notes spawn, c'est pas bête, peut-être que c'est possible hein, ce que tu dis. Alors, pas une fois, pas deux, mais cinq fois. Jérémy a maintenant mélangé les prescriptions. Plus tôt aujourd'hui, une fille a appelé le magasin. Elle était incroyablement perturbée, retenant à peine ses larmes pendant qu'elle parlait. Elle m'a informé que sa grand-mère était dans un état critique après avoir été transportée à l'hôpital. Elle a fait une overdose des antidouleurs. Elle était censée recevoir du Bézilate, je sais pas quoi, mais il semble que sa commande ait été mélangée. La fille menace maintenant une poursuite en justice contre le magasin. Jérémy n'est pas non plus au travail. Aujourd'hui, aucun de mes autres collègues ne l'a vu. Je ne pense pas que cet enfant aura un emploi pour l'avenir. Il l'a fait exprès. Il le fait exprès, le bougre. Ça fait cinq fois le mec qui le fait. Cinq fois! C'est abusé. He's still here. He's here. He's not even gone. Cinq He's fois! like probably hiding in this back room or something. Elle est où l'autre note? Attends, il l'a Hiding trouvée in où? this back room or something. Mais what? Ok. 16 octobre. Mon plan pour retirer Jérémy n'a pas fonctionné. Mes employés restent passants maintenant à leurs nouveaux emplois au sein du centre commercial. Ah ok, donc lui il a essayé de dégager Jérémy. Sauf que Jérémy ne se barre pas. Et les autres employés se sont barrés au centre commercial qui avait ouvert du coup. Cela signifie que je n'ai aucun autre choix que de le laisser. Oh, que de le laisser rester jusqu'à ce que je retrouve un remplaçant. Après, je ne serai. Après ne pas se présenter au travail il y a quelques jours, je l'ai averti que je couperais son salaire. Il semblait pas dérangé. Je l'ai aussi informé de la femme qui a été transportée à l'hôpital. Une fois de plus, ses yeux s'allumaient. J'ai pu voir ce petit bâtard essayer de retenir son sourire. Si j'avais eu la moitié de mon âge, je l'aurais. Oula, je l'aurais défoncé. Ok. Attends, il y a un autre texte encore? I was half my age. I thought it was a key, man. Maybe it needs to. Attends, là, il y a un truc. Donc. Are you hiding in the garbage? Are you hide Wait. What the? Okay, I'm not gonna Mais il va où question le it. mec? That Oh! thing just went. Oh, what the? What? Oh, here we go. Ok. It's happening, Mais c'est guys. pas le It's concept du jeu est pas happening. mal, hein. Le concept du jeu est vraiment If you pas mal close du. the Et il va damn péter doors, la it's porte des gonna toilettes. happen. It's happening, guys. Hell Le yeah. concept du jeu est vraiment cool, mais trop long. 10 000 papiers à chercher, c'est trop long. Oh! Oh, God, man. What the hell? I told you he's still alive. Oh sh. Oh le ouf! Oh le ouf! Il a accroché la patronne et le patron dans le. Je sais pas, c'est un sous-sol. Il les a filmés. Il a buté le patron et la patronne. Oh le dingue! Shit, you can run now. God damn. Le No signal. signal.
Wait, what? No signal. Quoi? Attends, 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 c'est pas un code? 5, 1, 6. Non, c'est pas un code? 5, 1, 6. C'est quoi ce bordel? What, he ripped them apart? Oh là là. Damn, there's limbs everywhere, bro. Wow. Oh là. Il se passe une dingue apparemment à la fin. Damn. This thing is whack, bro. Uh-oh. They're gonna think it's me, you know that, right? Mais qu'est-ce que tu fais après? Il essaye de se barrer, le mec? Fucked. You have to just listen to the whole thing? Donc, du coup, la vidéo se passe pas bien. Do you have to get the gap? I'm confused. It won't. Attends, le mec il va remonter. Le mec là il va remonter. And you can't even go back, right? Allez, il a réussi à remonter. Nope. I can't swing the axe. La pharmacie n'est plus. Puisque un centre commercial a ouvert sur le côté, tout le monde se barre dans le centre commercial et plus personne va dans la pharmacie. Le patron de la pharmacie, il avait embauché Jérémy. Jérémy qui faisait n'importe quoi avec les dosages des clients. Plusieurs clients se retrouvent à l'hôpital, etc. dans des états très critiques parce qu'il a fait n'importe quoi avec le dosage des médicaments. Du coup, très grave. Il essaye de virer Jérémy, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et de là, nous, la personne qu'on incarne, c'est la personne, j'imagine, qui a racheté la pharmacie, puisque cette pharmacie, il l'a vendue. On découvre tout ça via des écrits. On pète la porte qui nous donne sur le sous-sol. Et à la suite de ça, on retrouve Monsieur Cooper et sa femme morts. Coup de couteau, hache, machin, machin. Et là, pas de peau. Les flics débarquent. Et si t'étais Jérémy? Mais c'est pas bête hein, ce que tu dis. Hein. Comment on fait pour savoir qu'on n'est pas Jérémy? C'est ça. Hein. Et là, les flics débarquent et du coup, ils sont en mode, bah, c'est toi le tueur, quoi. T'as une hache dans la main, t'as les mecs qui sont morts en bas. Mais le truc, c'est qu'on est... C'est vrai, on sait pas si on est Jérémy ou pas.